Aujourd'hui, 3 mai 2024, on célèbre la liberté de la presse dans le monde et au Bénin, sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Pour en parler, je reçois Firmin Kokou. Becquin, ouais. Bonjour. Bonjour, Rachid. Merci d'être avec nous sur ce plateau. La joie est partagée. Alors, je précise que vous êtes vice-président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM. Exact. Vous êtes aussi patron de presse. Bien sûr. Directeur général du groupe Le Meilleur. Voilà. Et donc, il y a de quoi que vous soyez sur ce plateau ce matin, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Kokou Becquin, que pensez-vous du thème de cette année déjà? Alors Rachid, je vous dis merci de m'avoir invité sur ce plateau pour débattre de ce sujet avec un thème aussi important. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde crie. Oui. Il y a quelques jours avant la petite pluie qui est tombée, il y a 4 ou 5 jours, je ne sais pas, oui. Les gens dormaient dehors déjà. Oui. Il fait chaud. On étouffe, on suffoque. Ah ouais. Ouais. Et pourquoi? Posons-nous simplement la question pourquoi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, 3 mai... Parce que la planète va mal? Très mal. Lorsqu'on parle de l'environnement, la planète va très mal. Mm-hmm. Et je voudrais en passant remercier l'UNESCO qui a choisi ce thème-là pour mettre le journaliste au cœur de cette lutte contre la dégradation de l'environnement. D'accord. Ouais. Mais finalement, la question qui me vient là tout de suite, c'est quel... peuvent être les rôles du journaliste dans la préservation de cette planète? Rachid, oui? Beaucoup de choses. D'abord, je voudrais vous dire, c'est en sachant qu'il est possible de régler un problème. C'est en sachant qu'il est possible d'agir. Mm-hmm. Et je voudrais citer un confrère, il doit être congolais, je pense, oui. John Songo, je voudrais le citer. Et il disait à l'occasion d'une conférence de presse que si on doit accuser ou indexer aujourd'hui les responsables de cette dégradation de l'environnement, si l'homme lambda en est responsable pour 50-60%, le journaliste en est pour 90% voire 200%. Ah oui, mais pourquoi? Bien sûr, bien sûr. Quel est le rôle du journaliste? Bah, c'est d'informer, oui. C'est de sensibiliser, oui. C'est d'éduquer. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question. C'est vous qui posez la question, mais aujourd'hui, je vous pose une question, Rachid. Non, mais on ne change pas de rôle. Je voudrais demander, vous qui êtes sur ce plateau, oui. Dites-moi, le programme de l'ORTB, mm-hmm. quelle est la part que vous avez réservée à l'environnement? Ben, une grande part quand même. Hein. On a des programmes qui parlent uniquement des questions liées à l'environnement. Mm-hmm. William Tchoki, c'est notre spécialiste des questions liées à l'environnement. Donc on bien en parle sûr, très mais souvent. Je, oui. je l'ai vu et je le félicite. Oui. Quand la TV5... il n'est pas seul, on en a beaucoup bien d'ailleurs. Bien sûr, fêtait 50, oui. 40 ans la fois passée. Ah. Il avait co-animé une émission avec une amie. Oui. Comparez ce temps d'antenne à ce que vous donnez à la question politique. Faites juste la comparaison. Mm-hmm. C'est-à-dire ce temps que vous donnez à l'environnement et l'autre que vous accordez à la politique. Faisons juste la politique, c'est la gestion de la cité. Donc vous gérez une cité qui va mal. Vous gérez une cité dans laquelle les gens dorment à la belle étoile parce qu'ils ne sont... Ce n'est pas parce qu'ils sont des SDF. D'accord. Mais l'environnement, le climat, le réchauffement fait des SDF. Et vous ne voulez pas en parler, vous parlez plutôt de la politique, vous accordez plus de temps à la politique qu'à l'environnement. La pierre aux médias, on dirait. Non, pas du tout, mais on attire l'attention du journaliste sur le fait qu'il est la pièce maîtresse. Sa responsabilité est engagée dans ce combat. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Et je sais que depuis plus de 3 mois, je prends le côté politique déjà. Hein. Le gouvernement ou des acteurs politiques savent que cette année, le thème principal sera consacré au rôle du journaliste dans le cadre de la protection de l'environnement. J'aurais aimé que le ministère du cadre de vie organise par exemple un concours de production journalistique. Amener les journalistes à s'imprégner plus de ce qui se passe autour de nous, environnementalement parlant.
Dans le passé, je sais qu'ils en font beaucoup, hein, mais c'est moins visible. Il y avait des projets passifs. Il y avait plein de projets qui nous permettaient, nous journalistes, d'aller sur le terrain et de constater des faits. Sur le plan climatique, je salue également en passant mon professeur Placide Clédio. Aujourd'hui, je ne sais pas, je voudrais qu'on en fasse plus. Je ne dis pas que rien ne se fait, mais je voudrais... Les programmes existent, mais il en faut un il peu en plus. Il en faut un plus, il en faut parce vous ne pourrez pas animer même vos partis politiques si vous n'avez pas le cœur tranquille, si vous n'avez pas... le climat qu'il faut. Vous ne pouvez pas venir ici maintenant nu, mais il fait chaud, très chaud. Je suivais sur une radio la fois passée à l'international que l'année 2024 sera l'année la plus chaude de la planète. On n'est pas sorti de l'auberge. On est dedans là. On est dedans. Et Rachid, oui, vous et moi, nous avons fait le CE2 où on nous disait au Bénin, il y a quatre climats, non, il y a quatre saisons. Deux grandes saisons, deux petites saisons. Je voudrais te poser encore la question. Excuse-moi de te tutoyer. On est entre... D'accord. Oui, mais... bah, aujourd'hui, c'est carrément c'est un changement de rôle. Non, là, pas du tout. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à distinguer encore... Non, franchement, non. Ces saisons? Non, non, franchement. On est comme embrouillé, en fait. Ah ouais. On a du mal... Et on n'arrive plus à distinguer les saisons. Que vous, quand vous prenez le paysan au village, il ne sait plus en réalité quand est-ce qu'il faut faire le labour, quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut. Parce que la pluie n'est plus au rendez-vous comme il le faut. D'accord. Mais qui en est responsable? C'est nous-mêmes, les populations. Mais il y a quelqu'un qui a fait le serment d'informer, d'éduquer, de sensibiliser, de conseiller. Et c'est qui celui-là? C'est le journaliste. Ce n'est pas le médecin qui viendrait faire ce travail-là à notre place. Ce n'est pas le forgeron, ce n'est ni le maçon. C'est le journaliste qui doit faire ce travail. Je voudrais que dans nos programmes radiophoniques, dans nos programmes télévisuels, dans nos programmes, on puisse accorder plus de temps à l'environnement afin d'attirer l'attention de nos dirigeants sur ce sujet qui... ce n'est pas la couleur. D'accord. Ce n'est pas la race, ce n'est pas le diplôme, mais c'est une question qui nous intéresse à nous tous. Alors finalement, ce thème tombe bien à propos. Bien sûr, bien sûr. Il vient replacer le journaliste dans son rôle premier et il vient mettre aussi le journaliste face à ses responsabilités. Voilà. N'est-ce pas? Oui, tu as bien compris. Mm-hmm. C'est ça. Et toi et moi, avant de partir d'ici, nous devons prendre l'engagement. Nous devons prendre l'engagement. Qu'est-ce que nous allons faire pour que demain, les gens ne se lèvent plus pour aller mettre le feu à la brousse. Puisque nous détruisons l'écosystème. C'est une lutte qui date de... Ça ne date pas d'hier, en fait. Et pourtant, ce sont des pratiques qui continuent. Au Bénin, ici, c'est le 1er juin, non? Mm-hmm. C'est le 1er juin qui a décrété journée de l'arbre, ici. Nous en plantons chaque 1er juin, ici, depuis des lustres. Je ne sais pas. Je suis sûr qu'on entretient bien ces arbres-là maintenant. Mais nous avons combien de forêts? Et en parlant de forêts, je voudrais parler de ce qu'on appelait dans le temps la forêt sacrée. Quand on dit forêt sacrée, ce n'est pas du fétichisme. Ceux qui l'avaient décrété dans le bon vieux temps savaient qu'il fallait préserver l'environnement. Mais aujourd'hui, ces forêts classées sont combien au Bénin? Et comment est-ce qu'on les protège? Comment est-ce qu'on les encadre? Nos actions, nos actes détruisent tous les jours que le bon Dieu fait l'environnement. Et nous sommes... Les victimes, je ne vais pas dire victimes, nous subissons nous-mêmes les effets néfastes des actes que nous posons sans le savoir. Mmh. Il n'y a que le journaliste pour dire à X et à Y, cesse de faire ce que tu es en train de faire, car les conséquences sont plus nuisibles, non pas seulement à toi, mais à toute la planète. Mais alors, que peut finalement le journaliste faire à la superpuissance des firmes internationales, par exemple, qui ne respectent pas les accords de base? Monsieur le vice-président. Tu as posé la grande question. Oui, que peuvent les journalistes Quand vous prenez
le monde entier. Les États-Unis viennent en première position, producteurs de gaz qui détruisent l'environnement. Il me semble qu'ils sont suivis de, d'autres pays, ainsi de suite, d'accord, les superpuissants du monde entier. C'est là également j'attire l'attention des journalistes sur le fait que nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer. Si le journaliste ne dénonce pas, ceux qui sont dans le bureau ne savent pas maintenant que pour le simple fait qu'on a installé, j'ai lu un article, je ne vais pas faire de la publicité à qui que ce soit ici, j'ai lu un article la fois passée, il y a une société qui s'est implantée en plein cœur de Cotonou et qui produit une matière que vous connaissez, qui pollue dangereusement l'environnement. Mais la société est là. Le journaliste, le journal est même allé jusqu'à dire, mais cette société défie le président de la République. Ouais. Vous l'avez lu, oui, j'ai lu, je ne vais donner aucun nom. Et pourquoi la société est là depuis? Est-ce que c'est la terre ou l'emplacement qui manque au Bénin pour qu'on délocalise cette société? C'est également le rôle du journaliste de dire, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Et applaudit ce qui est bien fait. Et il y a des organisations, en tout cas des jeunes, j'en ai vu, qui s'organisent, qui vont à la plage, il me semble que c'est le dernier samedi du mois, et qui ramassent les sachets, qui ramassent, qui protègent, qui nettoient la plage. Voilà des choses que nous devons saluer. Au lieu de nous aligner tous les jours, comme on dit, tel politicien veut donner une conférence de presse, il n'a qu'à donner sa conférence de presse. Mais donnons plus de temps aux informations liées à la protection de l'environnement. Il y va de l'intérêt de tous. Bien sûr, puisque nous allons en partie si on ne le fait pas. Je me suis amusé il y a à peine 15 jours à faire mon travail de journaliste, mais malheureusement je n'ai pas produit l'article. Le titre que je pensais mettre, quand le climat fait de nous des sans domicile fixe. Quand le climat fait de nous des sans domicile fixe. Hein? J'étais sorti de chez moi après minuit et je me suis promené. Vous allez voir des gens installer leurs moustiquaires, même dans la rue, sur les voies pavées. Et ils dorment. Quatre chaises, on met ça de part et d'autre et on dort. Celui-là n'est pas. Il ne vit pas la misère, hein? Non. D'accord. Il a quelque part où dormir, mais il a chaud. Même vous allumez votre brasseur, ça brasse de la chaleur. Qui est responsable de ça? Ce n'est pas nous-mêmes. Yeah. Il n'y a que le journaliste pour dire, cessons faire ce que nous sommes en train de faire. Et quels sont les messages, que concrètement, on va y aller concrètement, quels sont les messages qu'on devrait de plus en plus lire dans nos articles, les messages qu'on devrait de plus en plus passer à la télé, à la radio et autres? Je voudrais d'abord que nous, il semble qu'il existe au Bénin, ça existait, dans le bon vieux temps, j'en étais membre, le réseau des journalistes qui s'occupent de l'environnement. Oui, ça existe. Et je fais un clin d'œil à notre doyen Didier Hubert Madafimé. Et je voudrais qu'on ressuscite ce groupe-là et qu'on puisse leur donner suffisamment, en tout cas qu'on mette à leur disposition des moyens pour... On ne peut pas rester ici maintenant dire tout de suite, voici les messages que nous... Mais définir un cadre de travail. Et ces journalistes, dans le cadre d'un colloque ou dans le cadre, en tout cas, d'un atelier scientifique, vont réfléchir pour dire, mais par des bandes dessinées, par des productions journalistiques, nous allons réveiller la conscience de nos dirigeants, nous allons réveiller la conscience des responsables d'entreprises, ceux qui sont justement dans le secteur de la grande production. Tout cela pour amener nos dirigeants à se rendre compte que, effectivement, s'ils se... Et s'ils ne disent rien face à cette situation, c'est... Mais logiquement, ça ne devrait même pas poser de problème, parce que la plupart de nos pays sont partis à plusieurs accords internationaux. Il n'y a pas cette année où le Bénin ne prend pas part à, je ne sais pas comment on appelle, ça m'échappe là tout de suite, cette rencontre internationale, ça m'échappe là tout de suite. Sur l'environnement. Sur l'environnement. On y va toutes les années. Logiquement, on devrait réserver des lignes
pour qu'est-ce qui vous fait sourire? Non. On devrait réserver. Oui, parce que le constat, c'est que quoi? Chaque année, il y a des journalistes qui voyagent. Oui. Ils vont, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Justement, quand ils voyagent comment? Oui. Qui les fait voyager? Il y en a qui sont soutenus par, par le ministère. Il y en a qui vont, bon, avec, bon, je ne sais pas. Quand ils reviennent, oui, quel est le compte rendu que le ministère leur demande de faire? D'accord. Quand ils reviennent là, ils voyagent. Mais quand ils reviennent, qu'est-ce que le ministère leur demande de faire? On a l'impression, moi franchement, pardonnez-moi, j'ai souvent le sentiment que c'est les gens y vont sans... sans véritable feuille de... Il y avait un vieux projet, avec, je pense, c'était au ministère de l'Environnement, sous le règne de Luc Nyakadia. Projet Passy Pouche, je ne sais plus. Et on travaillait essentiellement avec l'ABE de M. Baglo, où on nous faisait voyager. Quand vous revenez, on définissait, on dit, vous devez produire un certain nombre d'articles. Les angles sont définis. Et vous... Vous produisez ces articles-là, et quand vous faites ces productions, on les publie. Et ceux qui étaient déjà au niveau des radios, c'est à l'époque qu'on était à l'avènement de la revue de presse avec Ophéric Frédéric Montandier et LC2, et systématiquement, puisqu'il s'agissait d'un partenariat, systématiquement, quand on faisait ça, et il y a la revue de presse qui passait. D'accord. Et il y a de petits messages qu'on mettait en bas des journaux. Et il y a de petits messages qu'on mettait au niveau de l'oreille, à la une des journaux. Et il y a de petits messages qui passaient au niveau de la radio, des sketchs, des bandes dessinées, des caricaturistes qui faisaient des caricatures pour pouvoir informer, dénoncer, sensibiliser, en tout cas, conduire les populations à rester dans la droite ligne de la lutte contre la dégradation de l'environnement. On en est où aujourd'hui? Si on peut ressusciter tout ça, je pense que ça va contribuer à beaucoup de choses. D'accord. Regardez. Je parlais en fait de la COP, voilà. Voilà, la COP 21, ils ont appelé ça. Non, c'est pas, nous en sommes déjà à la 28e. Oui. Oui. Il y a tellement de choses. Ce n'est pas... Mais au Mali, les confrères sont bien soignés. Les confrères qui s'occupent de l'environnement, ils sont bien soignés. Au Congo, ils sont bien à l'aise. Je ne connais pas trop pour le Burkina, mais je voudrais qu'on mette également les projecteurs sur ce qui se fait au Bénin. Au Bénin. Pour que ce bon, qui ils s'en sortent pas mal aussi. Hein. Non, ils s'en sortent, pas mal. Individuellement. Hein. Non, oui, voilà. Individuellement. Vous avez mis le doigt sur le... Individuellement, chacun se bat, en fait. Bien sûr, c'est pourquoi je demande. Et même les organes de presse ne soutiennent pas. Hein. Franchement, les organes de presse ne soutiennent pas. Pour la plupart du temps, les spécialistes se battent tout seuls. Ils utilisent leurs relations pour aller à la COP, pour aller à d'autres rencontres internationales. C'est normal. Rachid, je suis très bien placé pour vous dire pourquoi les organes de presse ne peuvent pas soutenir à 100% les productions. Je suis un promoteur d'organes de presse. Hein? Un organe de presse aujourd'hui qui vit comme une quincaillerie. On je ne veux pas, pas, non, va pas ouvrir je cette brèche-là. Non, mais, non, ce que je voudrais dire, vous êtes allé... Vous voulez parler de l'environnement. J'ai aucun contrat avec le ministère des cadres de vie, on l'appelle désormais, non? Et vous venez, mais tout ce que vous voulez dire sur le climat, c'est en quelque sorte, vous donnez de la visibilité à ce ministère, mais qui n'a aucun contrat avec moi. Je vous loge en bas là, quelque part où les gens ne vont même pas s'intéresser à vous, mais j'ai justifié, puisque c'est moi qui ai signé votre ordre de mission, j'ai justifié votre production. Mais il faut mettre la production quelque part pour que cela puisse intéresser. Quand le ministère ou des structures, des ONG ne veulent pas ces gens de partenariat, vous voulez que je fasse quoi? Moi, je dois payer les salaires. Ici, la celle de l'électricité, nous utilisons. Je vous comprends, Demandez aux responsables à la DRP si. Il faut que le ministère revoie un peu. Bien sûr. Revoie la copie, parce que parfois, on a l'impression, franchement, que les journalistes sont lésés, sont laissés de côté. Pourtant, pour ces rencontres internationales, franchement, si vous voyez parfois la longue liste de personnes qui y vont, vous vous posez la question de savoir. Qu'est-ce qu'ils vont mais faire? Mais ils reviennent. Bah, franchement, il faut le dire. Alors, nous allons retrouver d'autres confrères. D'accord, Patrick Jossou, Catherine Taouès, Maurice Tantan vont nous rejoindre. C'est vrai, nous avons parlé du thème de cette année. D'accord, une heure, deux heures, trois heures ne suffiraient même pas pour évoquer la question.
Mais on sait désormais que le journaliste, n'est-ce pas, devrait davantage jouer son rôle, n'est-ce pas, en termes d'éducation, en termes de sensibilisation, en termes d'information, pour que les populations sachent ce qu'il faut, ce qui est bien pour l'environnement et ce qui n'est pas bon pour l'environnement. C'est très important. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, parlons de la liberté de la presse elle-même. On le dit, ce n'est pas un luxe, hein. La liberté de presse n'est pas un luxe, pas du tout. Qu'en est-il de cette liberté-là au Bénin? On va en dire quelque chose quand même. Patrick Diosso. Oui. Comment la presse est-elle libre au Bénin? C'est la grosse question. Oui, c'est la grosse question. Oui. C'est une question qui taraude les esprits et c'est une question qui est posée souvent pour RSF Reporters sans frontières qui fait d'habitude son analyse par rapport à la presse. Et l'analyse de Reporters sans frontières s'appuie d'habitude sur le nombre de journalistes emprisonné, le nombre d'organes de presse suspendus ou carrément bannis, oui. le nombre de débats ou de débats contradictoires sur les chaînes et les stations, qu'elles soient privées ou publiques. C'est donc tout un ensemble cet ensemble permet à RSF de pouvoir jauger de la liberté de la presse. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Au Bénin, je ne voudrais pas directement aller sur l'idée de liberté de presse, mais est-ce que les journalistes se sentent libres d'exercer leur profession. Pour être libre d'exercer sa profession, il faut d'abord avoir la capacité de le faire. Et la capacité, pour moi, ça part déjà du fait que, est-ce qu'ils sont, ceux qui sont journalistes, est-ce qu'ils sont à l'amont, à l'aval d'abord, à l'aval, bien formés pour exercer le métier. Lorsqu'ils sont formés, est-ce qu'ils ont les aptitudes pour le faire, pour faire ce métier? Est-ce qu'ils ont les coudées franches en matière de finances pour pouvoir le faire? J'ai écouté le vice-président tout à l'heure, en tant que patron de presse, qui a dit, oui, en tant que patron de presse, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas assez enfin, la caillotte que n'est pas consistante. Oui. Voilà. Est-ce que les journalistes ont assez de soutien financier, puis social, moral, tout l'ensemble, pour pouvoir faire le travail? Quand ils vont sur le terrain pour pouvoir faire le travail juste en matière de reportage, je n'irai pas jusqu'à l'investigation, en matière de reportage, comment ils arrivent à s'en sortir? Est-ce qu'ils ont les informations? Parce que l'information, c'est la denrée, c'est la bonne denrée. Est-ce qu'ils ont l'information? Comment? Donc, c'est tout un ensemble. Je ne voudrais pas... Vous avez tourné autour du pot. Vous n'avez pas répondu directement à ma question. Catherine, c'est une très grande question. Oui, et... la presse était libre au Bénin. C'est la question. C'est ça, véritablement, oui. la grosse question que mon cher ami Pat essayait d'expliquer. Vous savez, que la presse soit libre au Bénin, nous allons prier, croiser les doigts. Parce que en réalité, aucune presse n'est libre, outre mesure. Nous sommes liés par l'hôtesse, nous sommes liés par le bon sens, nous sommes liés par la préservation de la paix. Nous sommes liés à beaucoup de choses, à des facteurs qui nous empêchent d'être véritablement libres. Qu'on soit au Bénin ou ailleurs, la liberté de la presse pose un problème. Ce n'est pas sous nos cieux seulement que le problème se pose en matière de liberté de presse. Parce que j'ai la chance de suivre d'autres presses, j'ai la chance d'écouter d'autres journalistes, éminents journalistes, que ce soit sur RFI, que ce soit sur TF1, que ce soit toutes les chaînes. France 24, c'est des chaînes qui sont tenues, qu'on le veuille ou non. Tenues par qui?
Tenu par qui? Suivez mon regard. Moi, je ne veux pas, ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Désolée, je ne parle pas politique et je suis tellement peinée de pouvoir opiner sur la question de la liberté de la presse. Parce que aujourd'hui, chez nous, nous avons nos carnevas qui parfois ne nous facilite pas la vie en tant que reporter. D'accord. Reporter, parce que... On comprend, parce en tout cas, que votre embarras, oui. Je suis vraiment embarrassée. Oui. Aujourd'hui, quand vous voulez interviewer une personne, soit il vous pose le problème de son bord, ou il vous dit simplement, je vais opiner, je vais te dire ce que tu veux. Mais tu ne m'enregistres pas. Donc ça fait que même nos personnes ressources, pour nos émissions, pose un problème. Donc, je ne suis pas libre outre mesure. D'accord. Alors, monsieur Kokou Bekan, je vous pose la même question. Vous qui êtes au sein d'une organisation, n'est-ce pas, qui œuvre pour la déontologie, on va dire, dans nos différents médias, je vous pose cette question sans détour. Est-ce que vous pensez que la presse est libre au Bénin? Oui et non. Pourquoi oui et pourquoi non? Oui. Les journalistes vont et viennent. Il y a des productions. Mm-hmm. Vous êtes ici maintenant, non? Ouais. Il y a un an, au Cameroun, on a assassiné un journaliste. Martinez Zogo. Oui, ouais. On l'a assassiné. Mm-hmm. Il y a un an, je pense. Mm-hmm. Nous, vous et moi, nous sommes ici maintenant, au Bénin. Les journalistes vont et viennent. D'accord. Il n'y a pas d'assassinat de journalistes. Non. Non. Mm-hmm. Mais... Même s'il y a emprisonnement. Mm-hmm. Il y a quelques emprisonnements. Oui, s'il y en a qui ont été confondus à des politiciens et qu'on a chassés, mm-hmm. Qui ont pris la clé des champs, mm-hmm. puis s'il y en a, ça, c'est des cas. Mm-hmm. Donc, le journal, la presse au Bénin, comme dans beaucoup d'autres pays, et ce que simulait tout à l'heure Catherine, que je salue, oui. Au passage, oui. mon ancienne stagiaire. Oui, bien sûr, Robertinal. Oui, je l'ai formée là. Donc, ah oui, quand le professeur, quand l'élève rencontre son voilà. professeur. Voilà. Oui. Mais je reviens dans mon pays, je dis la presse ne peut pas être libre, n'est pas libre. Et je vais donner quelques exemples seulement. Mm-hmm. Mm. Quand vous organisez vos émissions, vos débats, et que vous avez besoin des sources d'informations, est-ce que vous arrivez à les avoir? Vous voulez vérifier une information aujourd'hui, vous allez dire, on vous dit, je dois me référer à la hiérarchie. Cette hiérarchie qui ne répondra jamais. Et Patrick l'a dit. Il y en a qui répondent. Non, il répond quand c'est en leur faveur. Oui, il y en a quand vous voulez demander, maintenant, je ne veux appeler le nom de qu'un parti politique, vous voulez demander, mais nous avons appris que vous avez mobilisé des militants dans tel. Oui, on a mobilisé. On a mobilisé. Là, il vous répond. Il n'y a pas la hiérarchie à attendre là-bas. Mais quand vous dites que... Il s'agit de vrais sujets. De vrais sujets. D'enquête, d'investigation. Vous ne trouvez pas. Vous n'allez pas trouver. Ce n'est pas dans le bon vieux temps. Vous prenez votre téléphone, puisque la richesse fondamentale d'un journaliste, c'est son carnet d'adresse. Vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un pour vérifier une information. On peut vous dire, on vous donne l'information. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que l'acteur politique, qui est l'une des sources principales du journaliste, en réalité, même, n'est pas libre lui-même. N'est pas libre. Mais vous savez que quand vous cherchez une information et que vous avez besoin d'avoir accès à la source d'information et qu'on ne vous donne pas accès, vous pouvez vous adresser à la HAC qui, il me semble, a 72 heures pour vous revenir. Chercher peut-être à savoir ceux qui ont fait cet exercice, s'ils ont eu leur réponse dans 72 heures. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. D'accord. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais ceux qui l'auraient fait peut-être, posez-leur la question pour savoir s'ils ont reçu. Mais quand vous n'avez pas accès à la source d'information. Aujourd'hui, les gens fabriquent les informations. On ne peut pas fabriquer l'information. Les faits sont sacrés. C'est les commentaires qui sont libres. Mais quand le journaliste n'est pas libre d'aller investiguer... Mais moi, j'étais sur un sujet la fois passée. Les eaux usées qu'une structure de production déverse dans la nature.
On a commencé le travail. Mais que d'intimidation. Que d'intimidation. Mais le journaliste n'est pas libre et ne peut pas être libre dans un contexte où nous sommes. D'accord. Et pour qu'un homme soit libre, les besoins fondamentaux, pour qu'un homme soit libre, il faut qu'il satisfasse les cinq besoins fondamentaux. C'est ça, non? Oui. Comment se nourrit le journaliste au Bénin aujourd'hui? Comment se soigne le journaliste au Bénin aujourd'hui? Comment vit le journaliste au Bénin aujourd'hui? La précarité. C'est la précarité. Mais comment vous pouvez demander à quelqu'un qui vit une vie de mendicité d'être libre? Il ne peut pas. Ah oui? Il ne peut pas être libre. Donc, vous reconnaissez comme l'autre que les journalistes sont des mendiants? Non, je n'ai pas dit qu'ils sont mendiants. On est en train de faire des journalistes des mendiants. Ah oui? Bien ah, sûr. Qui le fait? Pourquoi tu me poses la question alors que tu as dit tout à l'heure qu'on ne doit pas manger le piment dans ta bouche? Pourquoi tu me poses la question? Mais qui le fait? Tu connais la réponse. Je lui repose une autre question. Catherine, dans le bon vieux temps, quand je t'envoyais en reportage, je venais avec mes éléments. Quand tu revenais? Ça se traitait. Oui. Il y avait des angles prédéfinis avant que je n'aille sur le terrain. Oui. Et je n'avais pas de problème. Voilà. Les trois dernières années, là, combien de fois tu es allé encore en mission? Je ferme la parenthèse, je ne demande pas la réponse. Monsieur Kokoubeka. Je ferme la parenthèse. Donc l'accès aux sources d'information est difficile. Véritable problème aujourd'hui. C'est un cauchemar. Oui. C'est un cauchemar. Franchement, pour sortir des sujets, c'est compliqué. Il faut le dire. Le dire, ce n'est pas être contre X ou Y. Non, le dire, c'est dire simplement que ça ne va pas. Parce qu'en tant que journaliste, on a bien le droit d'exercer sa profession en toute sérénité, en toute liberté. Rachid, je vous donne un exemple. Oui. J'ai eu des informations sur une structure donnée, à plus de 40 km de Cotonou. Mmh. J'ai appelé qui de droit? Je dis, je venais vers vous pour vérifier une telle information. On s'est donné rendez-vous. Il a dit, il faut être là à midi. J'ai pris carburant dans mon véhicule. J'ai pris mon chauffeur. Nous avons effectué le déplacement. À midi moins 4, moi j'étais là. J'ai attendu jusqu'à 14 heures. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ouais. Et les appels... J'ai noté tout ce que j'avais fait comme appel. Ça sonnait, on ne prenait pas. Je dis, bon, ce n'est pas... C'est aussi un responsable. Ça peut être dû à des réunions interminables, ceci, ceci. On a fini autour de 17h. Je suis rentré, aujourd'hui. Autour de 17h, j'envoie message sans réponse. Le lendemain, j'envoie message sans réponse. Le surlendemain, j'envoie message. Je dis, mon cher ami, j'étais pris dans... Il y a des consignes qui sont passées entre-temps. D'accord. Quand est-ce que je pourrais parler? Mardi, je pense, mardi, à midi 00, il faut partir. Mardi, je suis allé, pas question. D'accord. Le vendredi, je suis retourné, pas question. Je suis là, mais l'info... Ceux qui savent faire du bidonnage, ils ont fait du bidonnage, l'information est là aujourd'hui. Mais moi, je pouvais le faire aussi. Ouais. En écrivant comme ça, je pouvais le faire. En supputant comme ça. Oui. Mais je ne l'ai pas fait, je voudrais emprunter la voie professionnelle. Mais voilà ce qu'on a fait de moi. Où est la liberté? Bon, à côté de cela aussi, il faut noter qu'il y a beaucoup de déviances. Hein. De la part de nos journalistes aussi. Hein. Il y en a qui excellent dans la diffamation, il y en a qui excellent dans le zèle avec des titres parfois... franchement. Maurice Tintin, rejoignez-nous s'il vous plaît. Alors donc les téléspectateurs prennent part... au forum de discussion de ce jour également, ils ont opiné sur la question comment appréciez-vous la liberté de la presse au Bénin? Je pense que c'est la question qu'on leur a posée, Maurice Tintin. Oui, bonjour Rachida Atou, bonjour à tous et bonjour à toute la question qu'on a posée aux amis téléspectateurs aujourd'hui, c'est donc qu'ils nous disent leur appréciation de l'état de la liberté de presse actuellement dans notre pays, le Bénin. Et il faut dire, on est entre confrères ici, les téléspectateurs n'ont pas du tout été
tendre avec nous. Ouais. Le constat est que pour la plupart, pour ceux qui ont réagi, il n'y a pas de liberté de presse au Bénin, tout simplement. Et ils ont des éléments assez, disons, corroborants pour justifier cette affirmation. J'ai essayé de trouver des commentaires qui tendent à mitiger un peu ce constat. C'est très difficile à trouver de constat général. C'est que la liberté de presse a presque disparu de notre pays. On va lire quelques commentaires très rapidement. Carsten Kesso nous écrit « Bonsoir, chers journalistes, la liberté de presse au Bénin n'existe plus depuis l'avènement du régime en place. Aujourd'hui, même les journalistes n'arrivent pas à jouer leur rôle. Des groupes de presse et des chaînes de télévision ont fermé leurs portes », constate cet internaute qui a laissé son commentaire sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Kofi Aglossi dit « La liberté d'expression est une quête permanente, ce qui est préoccupant. » Le manque d'accompagnement de l'exécutif depuis quelques années, car les gens sont facilement manipulables lorsqu'ils manquent du minimum. Maurice Koumassa a également réagi à la question du jour. Il nous a écrit sur la page Facebook de 5 sur 7 matin que l'autre Bénin et sa liberté de presse étaient mieux que l'actuel Bénin et sa supposée liberté de presse. Les acteurs du secteur de la presse aujourd'hui exercent le métier avec la peur au ventre et les conséquences négatives sont nombreuses et peuvent être la rareté des sujets d'enquête ou l'inexistence de vrais sujets d'investigation révélés par les médias. Encore un dernier commentaire sur le sujet. Philippe Bocodaro nous écrit que selon mes analyses, selon les analyses de Philippe Bocodaro, de 1996 à 2006, c'était mieux en matière donc de liberté de presse selon lui. De 2006 à 2016, c'était un peu mieux. De 2016 à aujourd'hui, vraiment, c'est critique, écrit-il. Des organes de presse sont fermés jusqu'à présent. La famine a frappé beaucoup de potes dans le rang des hommes de médias. La peur de dire la vérité est sur les yeux. Les conditions des hommes de médias privés sont comme ce qui peut. Voilà ce que les amis internautes ont dit de la question du jour. Je pense que c'est des commentaires qui nous interpellent tous en tant que professionnels des médias sur la question de la liberté de la presse dans notre pays. Monsieur Kapoubakan, vous avez suivi les avis de nos internautes. Malheureusement, ce tableau sombre est vrai. Ce tableau sombre est vrai. Très, très, très vrai. Et vous avez vu sur 5 ou 6, il n'y a pas même un seul qui a dit « oui, les journalistes sont libres ». Le système aujourd'hui, c'est comme, ça dit « je te tiens, je te tiens ». Et si tu veux, fais le contraire. Je te tiens. Maintenant, si tu veux, fais le contraire. Nous sommes en train de dire quelque chose depuis en tant que promoteur d'organes de presse. Et nous avons dit, on ne peut pas taxer les organes de presse aujourd'hui comme des quincailleries. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est le journaliste qui fait son travail, il a étudié. Hein. Il y a de bons journalistes au Bénin. Il y en a, qui, oui, comme en dans a toute de... corporation, il y en a. Il y a de bons journalistes au Bénin. Il y a de très bons journalistes au Bénin. Comme il y en a aussi de mauvais. De mauvais. Il y en a. Mais quand il travaille, le journaliste qui a été à l'école, qui a, je ne veux pas dire un grand diplôme, mais qui a fait sa formation, qui vit de son métier, je le dis souvent, il n'est pas menuisier, il n'est pas forgeron, il vit de ça. Il a une famille, il doit vivre quelque part. Il travaille et il n'est pas rémunéré. Il va vivre comment? Il va payer le loyer comment? C'est il va envoyer ses enfants à l'école comment? Parfois, moi j'ai de la peine sur les lieux de reportage. Oui. J'ai de la peine. Quand je vois certains journalistes, il y en a qui ne sont pas invités, mais ils se pointent. Oui. À la quête, à la, je bon, sais ce pas. Ce sont des débarqueurs. Oui, ce sont des débarqueurs, mais franchement. Oui. D'abord, le premier prétexte ou le premier motif, c'est qu'ils sont à la quête d'information. Mais à la quête d'information, il y a autre chose qui suit cette quête d'information. Parce qu'ils prennent l'information, mais ils attendent. Les perdièmes. Oui. Parce que les promoteurs. En réalité, ils ne sont pas venus pour l'information, ils sont venus pour les perdièmes. Il faut dire la vérité. Mais en tant que patron de presse, quand vous envoyez vos éléments sur le terrain, quand vous les envoyez sur le terrain et que vous ne les payez pas assez, vous voulez qu'ils fassent comment?
Si c'est moi qui t'avais demandé de poser cette question-là, tu ne vas pas poser. Non, je vous le demande, parce que vous êtes un patron de presse. Très bien. Je vous le demande. Très bien, très bien, très bien. Très bonne question. je suis commerçant, hein. Je suis commerçant. Si je ne vends pas, je peux payer mes dettes. Je vous pose la question. Allez fermer la DRP. Là, là, maintenant, dites à la DRP, ramenez tout ce que vous faites là, là, vous n'avez plus rien. Pour faire un reportage, ça dit une minute sur le RTB, vous savez ce que ça coûte. Mais si on dit aujourd'hui, je ne vous paie pas. Encore que l'ORTB est public. Est public, et puis encore que c'est le moins, On n'a plus assez de... Non, je vous réponds. Le vrai problème, c'est que les promoteurs d'organes de presse aujourd'hui, les responsables... Monsieur Kokoubakan, je sais que vous avez tellement de choses à dire. Tellement de choses. Vous avez envie de dire certaines choses. Mais on ne va pas pouvoir le faire. Franchement, on a dit l'essentiel. On va permettre aux autres aussi de s'exprimer sur la question. Maurice Santan, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, de la liberté de presse au Bénin? Je partage l'avis des confrères, des prédécesseurs qui ont parlé sur ce plateau. Et je pense que les internautes aussi n'ont pas manqué d'objectivité, enfin de voir la réalité de ce qui se passe. Honnêtement, on a eu des centaines de commentaires, hein, je vous assure, et j'ai essayé de trouver quand même des éléments pour... qui ne soient pas... Qui disent quand même qu'il y a une certaine liberté, mais on n'a pas trouvé. Et la réalité est là. Et moi, je voudrais quand même relever trois éléments. Oui. Le premier élément, c'est des éléments objectifs, hein, je veux dire, c'est aujourd'hui on a une référence, même si parfois au Bénin, quand les classements sortent, on conteste parce qu'on estime que c'est d'autres personnes, c'est des personnes extérieures qui font ces classements-là. En même temps, quand les classements arrangent le Bénin, les mêmes personnes qui contestent ces classements-là viennent dire que le Bénin a fait des bons, a fait des bons, a fait des bons. La réalité, c'est que quand on regarde le classement RSF de la liberté de la presse, depuis 2016, On dégringole énormément. En 2015, le Bénin était le Bénin était à la 78e place. De 2016 à aujourd'hui, on n'a jamais atteint, on n'est jamais reparti à cette place. On est allé jusqu'à la 121e place en 2022. Aujourd'hui, ce matin, j'ai même été presque surpris de constater qu'on est descendu à moins de la 100e place et pour le classement de 2024, on est 89e. Mais vous voyez, on n'est pas retourné à la 78e place qu'on occupait en 2016. Et les éléments qui font qu'on est dans cette spirale négative-là, on les connaît. Il y a la question, par exemple, du code du numérique. Voilà. Qui est une menace. C'est comme une épée de qui est une menace. Sur on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Oui. Mais les pouvoirs publics, les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, utilisent ces tests législatifs-là pour frapper les journalistes. Alors qu'on a un code du numérique et code de l'information et de la communication qui protège un tant soit peu, qui dit qu'on ne peut plus mettre le journaliste en prison pour un certain nombre de choses. Mais on a trouvé la parade. Aujourd'hui, on dit. Vous avez publié un test de l'information sur les réseaux sociaux ou l'Internet, on ne vous applique pas le code de l'information et de la communication. En tant que journaliste, en tant que professeur des médias, on va vous appliquer le code du numérique comme une personne lambda. Ce n'est pas juste. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est un média à part entière et le journaliste qui intervient sur ce média-là ne devient pas autre chose. C'est toujours un journaliste. Et en tant que tel, il faut le traiter comme un journaliste. Donc ça, c'est le problème que nous avons. Il y a la question de l'accès à l'information, aux sources d'information. Ça, vous avez déjà suffisamment parlé de ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, avant d'être journaliste, j'étais blogueur. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le classement, la méthodologie du classement de RSF, il y a ces acteurs de l'information qui ne sont pas forcément des journalistes parce que les blogueurs ne sont pas formés, n'ont pas suivi la formation. Mais qu'on regarde aussi. Moi, j'ai été président de l'association des blogueurs du Bénin de 2015 à 2019. Et je vous dis, aujourd'hui, il y a des choses... Il y a un sentiment général, une peur, une psychose qui a été installée à la fois chez les journalistes, à la fois chez les blogueurs, des gens qui peuvent se définir aujourd'hui comme des lanceurs d'alerte qui ne sont pas protégés. Aujourd'hui, vous demandez à des gens, à des blogueurs de dire « on va lancer une campagne, hashtag, personne ne veut suivre ». Mais pourtant, en 2016, c'est ce qu'on a fait ici.
lors de l'élection de l'élection présidentielle avec hashtag vote 229, etc. Des choses qui ont permis quand même d'avoir une élection apaisée, transparente, crédible et tout, de suivre un peu le processus. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre des acteurs parce que les gens ont peur. On a vu des gens plus grands que nous, plus importants que nous, aller en prison facilement parce qu'ils ont posté un truc sur Internet qu'ils n'ont pas. Il y a des cas qu'on peut citer, qu'on connaît, qui sont des choses qui font qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, on travaille, on a la peur au ventre. Et dernière chose, la question des lanceurs d'alerte. On a vu une vidéo circuler, violence policière, etc. La personne qui a filmé a été interpellée, arrêtée, etc. Donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi que les gens qui sont dans les administrations, les gens qui sont dans les structures, ne veulent pas donner des informations. Parce qu'ils n'osent pas protéger. C'est difficile. Et tout ça rend difficile le travail du journaliste. À quel moment on parle de liberté de presse? On a trouvé la formule dans nos différentes rédactions. On va de plus en plus vers les universitaires, mais même à ce niveau ils ont peur parce que les éléments là-bas pour recruter à l'université, vous savez comment c'est. Donc les gens, ils finissent. Merci à vous, on ne pourra pas difficile. Tout dire. Oh, mais là, le temps ne nous a pas suffi. Il faut nous donner au moins une minute encore. Rachid, le temps ne nous a pas suffi. C'est notre journée. Vous savez, oui, je le sais. Monsieur Jimmy Adjovi Boko me regarde depuis. D'accord. Il comprend la nécessité de faire. Il y a Hugues Issou-Zouno aussi, oui. Franchement. Donc, on va. Non, mais il n'a qu'à venir. On va poursuivre le débat, je vous le promets, vendredi prochain. D'accord, c'est le mois on de. On prend le rendez-vous avec vous. Rachid, il faut faire la promesse ferme. Oui, oui. Hein? Oui, on prend. Je prends au sérieux quand c'est une femme qui fait la promesse. À vendredi prochain, merci à vous. Merci. Allez,